the next point. We should ensure whatever we see is clear. That is, work is being done. We can see that it is in opposite direction. Les apprenants, soyez les bienvenus à l'apprentissage électronique. Je m'appelle Monsieur Titus Waziri. Je suis ici de vous enseigner le français. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, c'est se présenter en détail. Ici, aujourd'hui, vous allez apprendre comment vous présenter en détail en français. What I just said is that our lesson today, our topic for today is how to introduce yourself in French, but in details. Nous avons commencé avec l'introduction. J'aimerais introduire la leçon d'aujourd'hui. Le sujet que nous allons aborder, comme je viens de dire, c'est comment se présenter en français. Vous allez apprendre comment vous pouvez se présenter facilement en disant. Ce sont l'aspect que vous allez se présenter. Premièrement, nous avons votre nom. Ici, vous allez nous dire votre nom en français, votre nationalité. Ici, vous allez nous dire votre nationalité, vous venez de quel pays, votre profession, quelle profession vous pratiquez en vie, votre âge, vous allez nous dire votre âge, votre goût et les langues que vous parlez. Peut-être il y en a des langues que vous savez parler. Et votre domicile, votre sport préféré. Quel sport vous préférez? Et vous allez apprendre comment de demander quelqu'un. Après, vous allez aussi apprendre comment de demander quelqu'un son nom. Comment vous allez demander quelqu'un son nom afin de savoir son nom, sa nationalité, sa profession, son âge, son domicile, ainsi de suite. Ce sont des choses que vous allez apprendre aujourd'hui dans cette classe de français. Nous avons divisé notre leçon d'aujourd'hui en deux parties. Nous avons la partie A. Partie A contient les questions que vous allez poser à quelqu'un. Premièrement, nous avons comment tu t'appelles. En anglais, c'est what is your name. Si vous voulez savoir le nom de quelqu'un, vous commencez avec poser des questions comment tu t'appelles. Deuxièmement, quelle est votre nationalité? Quelle est ta nationalité? Ça veut dire en anglais, what is your nationality? Nous avons deux possessifs adjectifs ici. Adjectif possessif ici. Nous avons votre, nous avons ta. Votre, c'est pour montrer respect pour quelqu'un qui a plus d'âge que vous. Mais ta, c'est pour quelle personne que vous avez la même âge. Vous pouvez aussi utiliser votre pour pluriel. Et ta, c'est pour singulier. Et quelle est votre ou ta profession? Quelle est votre ou bien ta profession? En anglais, c'est what is your profession? Vous habitez où? Where do you live? Donc ici, vous demandez quelqu'un là où elle habite. Quel âge avez-vous? Quel âge
avez-vous? Il y en a une autre manière de poser cette question. Tu as quel âge? Tu as quel âge? En anglais, c'est How old are you? How old are you? Quelle langue parlez-vous? Quelle langue parlez-vous? Ça veut dire que en anglais, c'est Which languages do you speak? Which languages do you speak? Ah bon? Quel sport préférez-vous? Peut-être vous avez un sport que vous préférez de jouer. En anglais, c'est Which sport do you prefer? Quel plat préférez-vous? Quel plat préférez-vous? What is your preferred dish? What is your preferred dish? Que faites-vous à loisir? Que faites-vous à loisir? What do you do during your leisure time? What do you do during your leisure time? That's in English. Vous êtes marié ou bien célibataire? Vous êtes marié ou célibataire? Are you married or single? Vous voulez savoir si la personne que vous posez des questions, si il est marié ou bien il est célibataire. That is, are you married or you are single? Quelle est votre matière le plus préférée? Le plus préférée. That is, which subject do you prefer? Il y en a plusieurs de matières que vous faites dans votre école. Qui est votre ami intime? Qui est votre ami intime? Who is your best friend? Que s'appelle-t-il? Ou bien, que s'appelle-t-elle votre professeur de français? Je crois que vous avez un professeur de français dans votre école. Donc, peut-être votre ami veut savoir le nom de votre professeur de français. It means that what is the name of your French teacher? Qu'est-ce que vous voudrez être à l'avenir? Ou bien en avenir? What do you want to be in future? Donc peut-être vous avez l'intention de devenir quelque chose. Ou vous voulez pratiquer une certaine profession après votre étude de l'universitaire. Ici, à partie B, c'est les réponses des questions que nous avons posées dans le partie A. Donc, la réponse de comment tu t'appelles. C'est « Je m'appelle Aïcha ». Si vous rencontrez quelqu'un sur la rue et vous voulez savoir son nom, vous commencez avec « Comment tu t'appelles ?» Elle va vous répondre « Je m'appelle Aïcha ».« Je m'appelle Aïcha ».« I am called Aïcha ». Quelle est votre nationalité? Quelle est votre nationalité? Je suis Nigérian. Je suis Nigérian, ça veut dire I am a Nigerian. Quelle est votre profession? Quelle est votre profession? Je suis élève. Je suis élève. I am a student. Où est-ce que tu habites? Tu habites où? Tu habites où? Vous habitez où? Where do you live? La réponse est j'habite à Kaduna. J'habite à Kaduna. Si vous habitez à Kaduna, ou bien vous habitez à quelque part dans ce pays, vous pouvez dire n'importe où. I live in Kaduna. Quel âge avez-vous? Tu as quel âge? Tu as quel âge?
Vous avez quel âge? How old are you? J'ai 17 ans. J'ai 17 ans. I am 17 years old. Je parle anglais, Hausa, et un peu de français. Je parle anglais, Hausa, et un peu de français. I speak English, Hausa, and a little of French. Quel sport préférez-vous? Which sport do you prefer? Je préfère le sport. Si vous préférez le sport, vous pouvez dire je préfère le sport. I prefer football. Avancez. Quel plat préférez-vous? Je préfère dish. Je préfère le riz et le poulet. Je préfère le riz, et le poulet. I prefer rice and chicken. I prefer rice and chicken. Que faites-vous à loisir? What do you do during your leisure time? Je regarde la télévision. Je regarde la télévision. I watch television. Vous êtes marié ou bien vous êtes célibataire? Are you single or are you married or single? Je suis célibataire. Si vous êtes célibataire, si vous êtes marié, vous pouvez dire je suis marié. I am single. If you are single, if you are married, you say je suis marié. Quelle matière préférez-vous? Je préfère les maths. I prefer maths. Votre ami intime. Mon ami intime est Ngozi. My best friend is Ngozi. Le nom de votre professeur de français dans votre école, c'est il s'appelle Monsieur Tunde. Il s'appelle Monsieur Tunde. He is called Mr. Tunde. Peut-être le professeur de français de votre école ne porte pas son nom, mais ici c'est un exemple pour vous d'utiliser. À l'avenir. J'aimerais devenir un médecin parce que j'aime la manière qu'elle soigne les maladies à l'hôpital. In the future, I would like to become a doctor because I like the way they treat or take care of sick people in the hospital. Donc ça c'est l'aspect théorie. Ça c'est l'aspect théorie. Nous avons pratiquer ce que nous avons ou ce que je vous ai enseigné maintenant. La dialogue. Donc, je vais agir comme Aïcha. Et Tunde est à côté de moi ici. Donc, je vais poser des questions à Tunde et nous allons répondre aux questions. Comme, bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Monsieur Waziri. Et toi? Moi, je m'appelle Monsieur Tunde. Quelle est votre nationalité, Tunde? Je suis Nigérian. Et vous, Monsieur? Moi, je suis Nigérian aussi. Quelle est votre profession, Tunde? Je suis élève. Et vous, monsieur? Je suis professeur de français. Je suis professeur de français. Quel âge avez-vous, Tunde? J'ai 13 ans. J'ai 13 ans. Et vous, monsieur? J'ai 30 ans.
Où est-ce que habite Tunde? Où est-ce que tu habites? Tunde va répondre à la question que je posais à lui. J'ai 13 ans. Et vous, monsieur, j'ai 30 ans. Quel sport préférez-vous, Tunde? Je préfère ping-pong. Et vous, monsieur, je préfère le foot. Tunde, qui est votre ami intime? Mon ami intime, c'est Audou. Et vous, monsieur, mon ami intime, c'est Aboubakar. C'est bon? Ah, c'est comme ça? Si vous rencontrez quelqu'un sur la rue et vous voulez savoir, vous voulez savoir des choses concernées d'elle, de lui, pardonnez-moi, vous pouvez poser ces questions que j'ai déjà vous données. Donc, un exemple, j'ai déjà traité ça. Tout d'abord, nous avons un exemple de se présenter en détail. Tout d'abord, je veux me présenter. Bonjour à tous. Je m'appelle Monsieur Titus Waziri. Je viens de l'état de Kaduna, c'est-à-dire que je suis Nigérian. En outre, je suis élève de Diop International School à Kaduna. J'habite aussi à Kaduna avec mes parents. J'ai 13 ans. Ça, c'est un exemple de se présenter en détail. What I just read for us, this is an example on how to introduce yourself in details in French. Tout d'abord, first of all, I want to introduce myself. Je veux me présenter. That is, I want to introduce myself. Bonjour à tous. Good morning, everyone. Je m'appelle Audou. Je m'appelle Audou means I am called Audou. Je viens de l'état de Kaduna. I come from Kaduna State. C'est-à-dire, je suis Nigérian. That is to say, I am a Nigerian. En note, again, je suis élève. I am a student. De Diop International School. I am a student of Diop International School à Kaduna, in Kaduna. J'habite aussi à Kaduna avec mes parents. J'habite à Kaduna. J'habite aussi à Kaduna avec mes parents. J'ai 13 ans. I live with my parents in Kaduna. I am 13 years old. De plus, je parle anglais, Hausa et français. Le sport que je préfère dans la vie, c'est le foot et aussi mon plat préféré est le riz et le poulet. That is, in addition, I speak English, je parle anglais, I speak English, Hausa, Hausa et français and French. Le sport que je préfère dans la vie, the sport I prefer in life is football. Et aussi, mon plat préféré est le riz et le poulet. My preferred dish is rice and chicken. En conclusif, je voudrais être un médecin à l'avenir. At the end, I would like to be a doctor in future. Crois que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. Je crois que aussi vous pouvez se présenter dans quelle situation que vous vous trouvez. In summary of what I taught you this afternoon is how to introduce yourself in French in detail. I know some of these expressions, some of you might have known them. Vous avez
rencontrer certaines expressions que je vous ai enseignées maintenant. Comme comment tu t'appelles? The lesson is how to introduce yourself and the aspect that you are to introduce yourself. We have votre nom, your name, votre nationalité, your nationality, votre profession, your profession, et ensuite de suite, votre âge, votre goût, your age, what you like, and the languages you speak, and where you live. I hope you have learned something from today's lesson. By now, if you leave the class, you go out, you can introduce yourself in details, in any situation you find yourself. Comme je viens de dire que notre leçon est divisée en deux parties, partie A et partie B. Partie A contient les questions et partie B contient les réponses aux questions que vous pouvez poser à quelqu'un que vous ne savez pas. Donc, nous avons comment tu t'appelles? What's your name? Quelle est votre ou ta nationalité? Quelle est votre profession? Quelle est votre où habitez-vous? Où est-ce que tu habites? Where do you live? By now, if you meet somebody, you don't know where he lives, you want to ask him. Si vous voulez demander quelqu'un là où elle habite, vous pouvez le poser des questions par disons où est-ce que tu habites? Quel âge avez-vous? How old are you? If you want to ask somebody in French, how old he is, quel âge avez-vous? J'aimerais expliquer quelque chose ici. Il y en a une différence entre anglais et français. Si vous voulez dire votre âge en anglais, vous utilisez le verbe être, I am. Mais pour les français, elles n'utilisent pas le verbe être, c'est le verbe avoir. Donc, si vous voulez traduire ça en anglais, peut-être vous allez dire I have 17 years. The French people use the verb to have when they are saying their age. But the Englishman use the verb to be. This verb avez-vous. C'est la conjugaison du verbe avoir au présent. Donc, méfiez-vous si vous voulez traduire des choses comme ça en anglais. What I just said is that the French people, they use the verb avoir when they are saying their age, and the English people use the verb to be. So when you are translating an expression like this, you have to be very, very careful. Donc, le devoir que je veux vous donner aujourd'hui, c'est suivez les exemples au-dessus de vous présenter en détail. Je vous ai donné un exemple au-dessus là-bas. Donc, vous allez suivre cet exemple afin de vous présenter en détail pour moi. En détail pour moi. Ça, c'est la fin de notre classe d'aujourd'hui. J'ai cru que vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui. Vous pouvez sortir maintenant et vous pouvez vous présenter en détail. Toujours, je m'appelle Monsieur Titus Osiri, mon nom ne change pas. Et mon numéro de portable, c'est 070
6, 3, 1, 7, 5, 9, 5, 6. My number is 0706317 5956. Si vous avez des problèmes, vous pouvez me contacter à travers ce numéro qui est au tableau. Toujours, vous savez la situation que nous nous trouvons maintenant. COVID-19 est véritable. Ça veut dire qu'il est véritable. Restez protégés et continuez d'apprendre chez vous. Nous allons rencontrer à la classe prochaine. Merci. Au revoir.